Chères Senlisiennes, chers Senlisiens, nous sommes désormais entrés en période de déconfinement progressif à la suite des annonces gouvernementales. Les écoles maternelles et élémentaires, ainsi que les services périscolaires, ont recommencé à fonctionner depuis le 12 mai. Les enfants sont accueillis sur la base du volontariat des familles, avec des mesures d'hygiène strictes sur 2 jours, lundi-mardi ou jeudi-vendredi, par demi-groupe de 15 enfants maximum par classe en élémentaire et 10 enfants maximum en maternelle. La ville fournit des repas sous forme de pique-nique. Les conditions spécifiques de rentrée de chaque école, niveau, horaire, groupe de classe, sont décidées par chaque directeur. Il faut donc se rapprocher de la direction de l'établissement de son enfant pour les connaître. Pour les familles souhaitant garder leur enfant à la maison, je rappelle que l'enseignement à distance est maintenu par les enseignants. La crèche a également rouvert ses portes le 11 mai. La halte garderie de Brigebaye ouvrira quant à elle à partir du 25 mai. Les services municipaux sont à la disposition des familles et travaillent à trouver des solutions de garde pour les plus petits en fonction des besoins de chacun. Les différents services périscolaires fonctionnent également depuis le mardi 12 mai avec les mêmes contraintes sanitaires. Je précise que ces services concernent uniquement les enfants ayant repris l'école. La ville de Senlis a mis tout en œuvre pour pouvoir accueillir les enfants dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire. Ainsi, nous respectons un protocole strict reposant sur 5 fondamentaux. Maintien de la distanciation physique, application des gestes barrières, limitation du croisement des élèves, nettoyage et désinfection des locaux et matériels plusieurs fois par jour, formation, information et communication. Pour dresser un premier bilan de cette reprise, le retour dans les établissements scolaires et en centres de loisirs s'est très bien passé. Environ 140 enfants en tout ont retrouvé le chemin des classes dans les 10 écoles de Senlis. Seules les grandes sections de maternelle, CP et CM2, ont repris pour l'instant. La montée en puissance, le 18 ou le 25 mai des autres niveaux de classe, se fera à la discrétion des écoles. Je tiens à remercier chaleureusement les enseignants, les directeurs d'école, les agents municipaux, animateurs, ATSEM et personnels de restauration qui se sont tous très impliqués pour que cette rentrée un peu particulière se passe au mieux. Je salue à nouveau votre civisme et votre solidarité pendant cette période délicate. Je souhaite terminer en vous donnant 2 informations qui me paraissent importantes. Le marché, très attendu par les artisans commerçants et les Senlisiens, était déjà organisé tous les vendredis et il reprendra également le mardi à partir du 19 mai dans le respect des règles de sécurité sanitaire. Les parcs et jardins restent actuellement fermés et jusqu'à nouvel ordre, conformément aux consignes gouvernementales. J'insiste enfin sur le fait que les gestes barrières reste de mise et la plus grande vigilance s'impose afin de réussir ensemble la gestion de cette nouvelle phase de l'épidémie de Covid-19. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous remercie.